Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma en compagnie de notre ami Nicolas Gilson, toujours empapillonné. Voilà, c'est bien. Pour le moment. Ah, peut-être que nous aurons d'autres surprises durant cette petite vidéo. Alors, nous allons parler de Force Kind, un film de Alunde Alatunde Osun Salmi. Voilà, on peut lire. Suffit. Voilà. C'est bien, lui il ne fait plus d'efforts, hein, il écrit ça. Alors, c'est avec Mila Jovovich. Qui... Non. Bonjour, je suis Mila Jovovich, je suis actrice. Qui donc, c'est donc un thriller avec Mila Jovovich. Un thriller? Tu veux refaire Mila Jovovich? Les images qui vont suivre sont de la fiction. Non, c'est pas ça, c'est même pas ça qu'elle dit. Attention. Tu veux pas... Et donc, elle enquête sur de nombreuses disparitions qui ont lieu durant les 40 dernières années en Alaska. Nicolas n'a pas aimé, donc nous allons sortir le dobomètre. Sortons le dobomètre. Quel est donc le degré de la daube? Que j'explique pour ceux qui ne connaissent pas le dobomètre. Petite daube, moyenne daube, grande daube. Petite daube. C'est une petite daube, oui. On va pas être complètement méchant parce qu'il y a des bonnes idées, mais il y a un réel problème d'éthique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on vend le film non comme étant une fiction, mais comme étant un compromis entre la fiction et le documentaire. Donc on n'est pas dans un faux documentaire, auquel cas ça aurait pu être une esthétique intéressante, mais on nous dit voilà, il y a des faits avérés, il y a des faits établis. Mais dans Blair Witch Project, on disait aussi qu'il y avait des faits avérés et que... On a des images, documents, on a des documents. C'est Blair Witch Project. Oui. Je suis Mila Jovovich, d'où le pourquoi. C'est Vampire de Vincent Lannion. C'est vendu par Mila Jovovich, qui se présente en tant que Mila Jovovich, qui dit qu'elle va interpréter le personnage du docteur Tyler dans le film. Qu'il y a des documents qui appuient la fiction en parallèle et que le spectateur est libre de choisir. Oui, en fait, il y a un côté qui dit... Ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on présente les documents comme étant des documents. Aucune source, aucune contextualité, rien. Donc voilà, il y a des documents, on nous dit que ce sont des vrais documents, il n'y a aucun élément tangible autre que ça, pour dire que ces documents sont de vrais documents. Eh bien, je vous remercie et à bientôt de nouvelles aventures. Merci Nicolas. De rien, Emma.